La tapisserie, on connaît tout le monde, mais qu'est-ce que c'est la tapisserie? Il y a une différente période historique. La tapisserie, c'est une chose qui a commencé à l'Extrême-Orient. En réalité, il s'est développé en Europe très tard, très tard. En Turquie, en Égypte, ça fait 3000 ans. Mais l'arrivée en Espagne, parce qu'il s'est développé dans le nord de la France, à travers l'Espagne, à travers les Arabes. Ils sont aussi les Arabes qui l'ont apporté. Et il s'est arrivé au niveau de millénaire, de premier millénaire. Il s'était, comme ils ne connaissaient pas la technique de tissage et de tapisserie, ils l'ont fait en broderie, parce que c'est la chose qu'ils connaissaient. C'était des brodés, comme la tapisserie de Bayeux, comme la tapisserie de la création des Girondins. C'était. Et là, la tapisserie, bon, ça a été un objet somptuaire, basiquement, mais n'était pas vraiment très apprécié. Il est apprécié maintenant comme objet qui a une valeur historique, mais il n'y en a pas beaucoup en plus. Et c'était anecdotique, d'une grande beauté anecdotique, comme c'est la tapisserie de Bayeux, ou de la création de Gion. Mais la tapisserie comme telle, comme on la connaît, il est arrivé en France et en Allemagne, en Europe, il est arrivé autour du 12e siècle, 13e siècle. Et ça a été basiquement pour faire des images et des œuvres transportables à travers les tentes des chevaliers, des rois. Et en même temps, il servait comme chauffage dans les grandes mansions, les châteaux. L'origine des tapisseries, c'est là. Et on a fait des œuvres magnifiques dans cette période. Mais c'était cher. Et l'idée, c'est curieux ça, parce que l'idée de faire de la peinture, parce qu'à l'époque, on faisait la peinture sur table, sur bois. Mais l'idée de faire de la peinture sur toile, il est venu comme imitation de la tapisserie. Et on va rouler des peintures et on va l'utiliser, c'est moins cher et moins lourd. On peut y faire de grandes dimensions, que le bois c'est compliqué parce qu'il faut faire des petites pièces de bois, etc. C'est lourd de transport, etc. Ça tourne des fois, ça déforme. Et en réalité, l'idée de faire de la peinture à l'huile, en toile, c'était comme imitation de la tapisserie. Mais c'est curieux parce qu'il est devenu tout de suite, à cause de que c'est, et ça c'est très important de le savoir, les gens ne lisent jamais ça. Et pour moi, c'était significatif, en grande mesure. J'ai dit, c'est pour ça que la tapisserie, il était en décadence comme œuvre d'art. Le succédant de la tapisserie, que c'était la peinture à l'huile, il est devenu boom, du point de vue créatif. Parce que les choses en tapisserie étaient faites pour des gens qui faisaient un dessin en carton. L'artiste faisait un dessin en carton et c'était un interprète qui l'interprétait le plus fidèle possible, mais qui l'interprétait techniquement. Ça veut dire qu'il n'allait pas au-delà de ce qu'il avait fait l'artiste. Il était une copie de quelque chose et avec des limitations techniques. Pour contre, quand ils ont commencé à faire la toile peint directement, c'est le créateur qui travaille directement. C'est ça que moi, ça c'est ma théorie. Quand j'ai commencé à faire la tapisserie, au début de les années 50, à la fin des années 50, j'ai dit, pour que la tapisserie soit vraiment une œuvre d'art, il faut qu'il la fasse directement l'artiste. Ça, c'était mon combat. Et ça, on ne comprend pas encore maintenant, Gobelin. Il ne comprend pas encore maintenant. C'est incroyable.